souffrances de ceux qui l'aiment, bla 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 bla, dans l'espérance de ton royaume. Et bim, là j'en vois quoi? Qu'est-ce que j'en vois là, putain? Royaume, Lou Reed, hello it's me. Un extrait de Vasectomia, nouveau long-métrage de Marc Descoster. Réalisateur indépendant nyonnais, il vient de terminer son quatrième long-métrage. Après Erwan et compagnie, Retourne-toi, Erwan et plus si affinité, place à un road trip punitif entre extrémisme religieux et fantômes du passé. Ce film a germé dans sa tête un jour de novembre 2015. Souvenez-vous, plus exactement, du 13 novembre 2015 à Paris. Ce vendredi soir-là, la ville lumière sombre dans la noirceur et le chaos. Une série de fusillades et d'attaques suicides islamistes sont perpétrées dans la capitale et sa périphérie par trois commandos distincts. Il y a d'abord une première alerte au Stade de France, puis le Bataclan devient une scène de carnage, alors qu'au même instant, dans le 10e et le 11e arrondissement, des individus vident leurs chargeurs et exécutent des kidams à l'aveugle installés à des terrasses de café. Bilan, 90 morts, 413 blessés. Non loin de là, Marc Descoster joue les touristes. Attablé à la terrasse d'un resto dans le quartier des Halles, il comprend en observant les gens autour de lui se ruer sur leur téléphone que quelque chose se passe. Le taulier invite les clients à se barricader en salle en attendant que l'orage passe. Après avoir traversé à pied une ville de Paris étonnamment déserte, où seules les sirènes des véhicules de police résonnaient, il se rue sur la télévision à son hôtel et passe la nuit devant des images qui se répètent en boucle avec des spécialistes et des journalistes hébétés qui les commentent. Le lendemain matin, Marc décide que la peur ne passera pas. Sauf que, alors qu'il boit un petit noir au Café Bastille, la panique s'empare du quartier. Le bar est pris d'assaut par une horde de kidams affolés. Ils sont là, ils vont nous tuer! On se barricade de nouveau dans l'établissement. On se faufile sur le sol jonché de débris en tout genre. Une heure après, la fausse alerte est levée. En fait de barbares sillonnant le quartier, on apprendra qu'une insignifiante chaufferette avait explosé deux rues plus loin, laissant croire à une nouvelle attaque. Marc a peur. Mais la peur se transforme en colère. La colère en haine. La haine en besoin de vengeance et envie de meurtre. Impensable pour lui qui ne ferait pas de mal à un moustique. Il ne se reconnaît plus. De retour en Suisse, il digère plus ou moins ce traumatisme avec le temps et décide de transformer en positif ce négatif. Il se met alors à écrire. Les idées surgissent, les thèmes, les personnages, les situations, le titre, Vasectomia. L'écriture comme exutoire, en complément de quelques séances de psy, telle est la thérapie qu'il s'impose et ça marche. En mettant des mots sur cette violence qui l'anime, en mettant des images sur ces mots, en finalisant Vasectomia, il sait que cet épisode est aujourd'hui derrière lui. Ce qui ne l'empêche pas, parfois, de succomber encore à de mini-crises de panique dans des lieux publics. Que je vous dise que dans Vasectomia, il se met en scène avec son pote de toujours, Renaud Berger, ainsi qu'avec Elo Cinquenta, plus d'autres encore. Ces trois-là vont s'embarquer dans un road movie violent. À la base, Alexandre, concierge dans une paroisse, enregistre secrètement les conversations privées que le pasteur peut avoir avec quelques oies égarées. Puis, en écoutant ses propos, normalement au secret donc, Alexandre adjuge une note de 0 à 10 sur ce qu'il nomme l'échelle des enculés. Et voilà comment Alexandre, le psychopathe fou de Dieu, décide de rendre la justice divine sur Terre, de redresser les torts, de répondre à ses violents par la violence. Il va embarquer dans son délire Samuel, un ami d'enfance. Ces deux-là, unis par un lourd secret, une blessure jamais guérie, s'étaient perdus de vue depuis plus de 20 ans. Samuel, chômeur désabusé, fragile psychologiquement, victime de la violence verbale de sa compagne, un faux calme en fait, attendait sans doute un déclic pour laisser échapper sa colère. Cette fausse bonne raison de passer à l'acte viendra lors d'un attentat commis par un fanatique islamiste qui dégomme tous les clients à la terrasse d'un café, sauf Samuel, protégé par l'ironie du sort. Miraculé, il va alors accompagner Alexandre dans son trip. Ils seront épaulés par Sarah, une jeune fille un brin naïve, innocente, surtout envoûtée par le charismatique Alexandre, mais elle ne va pas tarder à ouvrir les yeux ou les fermer pour de bon. Ça suffit. Je vous propose de faire une différence. Une vraie, concrète. C'est-à-dire ? Nous allons transformer par le châtiment. Le châtiment ? Éduquer.
Vasectomia, un film pour bousculer, interroger, malmener aussi le spectateur. La violence sous toutes ses formes est ici convoquée. Mais quel est notre rapport à cette violence, qu'elle soit physique ou verbale? Est-ce qu'une victime peut se faire justice elle-même? Est-ce qu'un pasteur, malgré le deal qu'il a passé avec Dieu, doit garder le silence quand on lui raconte un acte barbare? Quid du fanatisme, qu'il soit religieux ou politique? Comment le combattre? Et Dieu dans tout ça, s'il existe, qu'est-ce qu'il fout? Peut-on se substituer à lui pour décider de qui doit vivre ou mourir? Flirtant avec le fantastique, via quelques apparitions fantomatiques ou divines, Vasectomia évite soigneusement le gore attendu sur un sujet pareil pour s'inscrire dans une veine réaliste teintée de poésie parfois, avec des idées de mise en scène simples mais brillantes. Certains dialogues, au cordeau, souvent drôles, permettent de prendre un peu de distance. On peut parler de noirceur et aussi parfois s'en amuser. C'est le pari réussi qu'a fait Marc Descosters avec Vasectomia qui sera visible samedi 20 mars à 22h30 sur Nyon Région TV. Dans quelques instants, nous retrouverons Marc Descosters en entretien sur le Brésil. Je sais pas quoi dire. Ce serait bien la première fois. Tinté. T'es un putain de miraculé. C'est normal de jurer comme ça dans une église? Bon, tu sais. Dieu est bien plus ouvert qu'on le pense. Sur la 3, on évoque ce film financé via un crowdfunding, autant dire un budget ridicule pour un effet maximum garanti, j'ai nommé Vasectomia de Marc Descosters. Il est à voir samedi soir prochain à 22h30 sur NRTV. Mais au fait, Vasectomia, pourquoi ce titre? Ça vient d'où? Marc Descosters. En fait, c'est parti d'un film que j'avais tourné quand j'avais 18 ans. C'était un film en vidéo 8 que j'avais tourné déjà avec mon ami Renaud. Puisque, qui joue donc dans le film. Donc j'étais au gymnase de Nyon, et puis on avait tourné un film qui s'appelait A, juste la lettre A, qui était un film qui est assez proche de Vasectomia, en fait. C'est-à-dire que c'était l'histoire de deux ados qui se prennent pour des envoyés de Dieu et qui vont faire le ménage, en gros. Et ce film est revenu dans mon esprit justement après ces événements de Paris, le côté religieux, le côté revanche, enfin voilà, ça a résonné. Et en fait, dans ce film, il y avait une scène où un violeur était puni, on lui faisait une vasectomie, on lui faisait une vasectomie au Beretta, ce qui avait valu l'interdiction du film au gymnase de Nyon. Il est passé qu'une fois avant qu'on soit convoqué chez le directeur, parce que je sais juste qu'une élève, d'ailleurs si elle nous écoute, je la salue, était allée nous dénoncer et on a dû arrêter les projections. Enfin bref. Et du coup, cette scène de vasectomie est restée pour moi quelque chose de, je sais pas, quelque chose d'un peu amusant. Je sais pas pourquoi, dans mon esprit, tout ça s'est mélangé, le film sur ces extrémistes religieux, ce que j'ai vécu à Paris, cette scène de vasectomie, et tout à coup, et le titre Mélancolia, en fait, de Lars von Trier. Et du coup, ce côté un peu nihiliste de Lars von Trier a aussi un peu résonné, et puis tout ça a fait que le titre Vasectomia s'est imposé. Je peux pas dire mieux, c'est un peu un mélange de tout ça. Et donc, pour savoir quel est le rapport, c'est simplement que dans le film, le personnage central, qui est donc un peu un illuminé, parle d'une cité enchanteresse où on a accès à tout dès le moment où on laisse ses couilles à l'entrée, et cette cité s'appelle Vasectomia. Voilà. C'est-à-dire, si on est bien sage, on a le droit de profiter, je sais pas moi, des prêts bancaires, etc. etc. Et c'est vrai que le film, du coup, enfin le personnage en tout cas, lui est très en colère par rapport à ça. Voilà, cette recherche de liberté, il n'en fait pas un très bon usage. On peut dire qu'il se plante un peu. J'ai, disons, un statut d'intermittent. Je m'occupe de la programmation musicale, entre autres choses. DJ funèbre. Je suis désolé, Samuel, faut que j'y aille. Pas de soucis, je vais rentrer chez moi. Ouais, va te reposer un peu. En fait, à chaque fois que je commence un film, je me dis, bon, cette fois, je joue pas dedans. Parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup trop de boulot, enfin voilà, c'est compliqué. Et puis, j'écris, et puis, en fait, à chaque fois, il y a un personnage où je me dis, ah, mais on me le ferait bien, celui-là. Pour celui-là, en plus, c'était particulier parce qu'en fait, on a repris un peu les deux personnages qui s'appelaient aussi Alexandre et Samuel dans le film d'ado.
je crois que ça m'aurait terriblement... Ah, ça m'aurait posé un problème que quelqu'un d'autre le joue, du coup. Donc voilà, c'est... Puis j'aime bien ça, j'aime bien jouer. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais fait le conservatoire de théâtre à Lausanne, que j'avais arrêté. J'avais envisagé d'en faire mon métier. Et puis en l'occurrence, voilà, je m'ennuyais... Parce que Molière et tout ça, c'était pas du tout mon truc, le travail du corps, tout ça. Enfin voilà, c'est. Et du coup, je joue juste pour mes films, mais ça me va très bien. Ce qui veut pas dire que je le ferai à chaque fois. Dans le Brésil, on accueille Marc Descoster, réalisateur de Vasectomia avec Renaud Berger dans la peau d'un taré notoire. Alexandre, un mec qui a vrillé et décide d'en faire voir de toutes les couleurs à des gens qu'il juge indignes de vivre. Un type qui a basculé dès l'enfance, en fait. Marc Descoster. Oui, je pense que le personnage d'Alexandre, il a vrillé depuis le début, probablement il y a bien longtemps. Il y avait plus de scènes d'enfance au départ. Je les ai coupées dans le scénario. Au départ, on devait voir qu'il était obligé de faire la prière le soir avec sa maman. Enfin voilà, il y avait plein de choses. On voyait clairement qu'il était bien endoctriné par sa mère déjà depuis l'enfance. Ce qui a plu dans le film maintenant. Mais disons, je crois que dès le départ du film, d'ailleurs, dans la première scène, il fait un gros fuck au spectateur, d'ailleurs. Du coup, je crois que le ton est donné assez vite. On sent qu'il est... Déjà, sa confidente, on peut dire qu'elle est particulière. Donc oui, je pense qu'il a lâché la rampe. Ouais. C'est le bras armé de Dieu, exactement. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que sa confidente est assez gonflée. Vous comprendrez en regardant le film Vasectomia où Marc Descoster réalise peut-être un vieux fantasme avec ce personnage d'Alexandre puisqu'il va percer tous les secrets d'un pasteur normalement protégé par le secret professionnel. C'est pas un fantasme du tout. En fait, ça part en fait d'une pirouette scénaristique un peu. C'est-à-dire qu'au départ, au tout début, je voulais que le bizarre dans le film intervienne plus tôt et que ce soit carrément Dieu qui lui dise chez qui il doit aller. Et puis j'ai trouvé ça un peu con. Et je me suis dit que c'était plus intéressant justement de libérer le bizarre et le fantastique sur la fin du film. Et du coup, je me suis dit, mais comment ? Comment il peut savoir ce que les gens font sans aller les espionner chez eux, etc. Et puis, je me suis rappelé d'une femme pasteur que je connais et qui recevait des fois des gens à la cure pour qu'ils viennent discuter de leurs problèmes, etc. Et je me suis dit, mais dans le fond, voilà, il suffit d'écouter. Et puis, comme j'aime bien imaginer que tout le monde a quelque chose à se reprocher, je me suis dit que tous ces malheureux paroissiens allaient tous être des tordus. Voilà. Pour jouer Alexandre le détraqué, un certain Renaud Berger, une évidence pour Marc Descoster. Bah oui, bon, Renaud Berger, il a joué dans tous mes films quasiment, même les courts, les moyens, les longs évidemment. C'est vrai que c'est une complicité de longue date, bah, qui date justement de l'école. Hein. Donc c'est vrai que c'est là qu'on a fait nos premiers films, c'est là que lui s'est dit aussi qu'il avait envie d'en faire son métier. Bah, c'est une relation, évidemment, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble quand on se connaît depuis si longtemps. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est très investi au moment de l'écriture. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un à qui je fais lire le scénario au fur et à mesure. Et qui peut me guider aussi parfois, me lancer sur des pistes si tout à coup il trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Donc c'est assez c'est fructueux comme collaboration. Bon, on a dû batailler pour cette petite queue de cheval. C'est vrai. Ah oui, il était pas pour. Mais j'avais envie qu'il ait un côté un peu naze comme ça. Et du coup, ce petit postiche, je trouve qu'il amène quelque chose au personnage. Ah oui, on a envie d'enlever cette saloperie, c'est clair. Non, il est épouvantable. Mais il le fait bien, quoi. Je trouve qu'il le fait super bien. Et ce qu'il fait remarquablement bien aussi, c'est le Christ. Oui, Alexandre a des visions dans le film. Mais attention, on parle d'un Christ particulier, qui s'y connaît peut-être mieux en armes à feu qu'un armurier. Ouais, alors ce personnage de Jésus, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais parce que, bon, il faut dire que c'est un Jésus un peu... qui est un peu né dans un esprit malade, hein, donc... Mais qui résume assez bien l'idée, de façon un peu cartoonesque, de l'extrémisme religieux, et de faire dire ce qu'on veut bien à un personnage comme Jésus, là, en l'occurrence. Ben, j'aime beaucoup, en plus, que ce soit Renaud qui le joue aussi. Oui, je pense que c'est un personnage qui est important et qui, malgré tout, à la fin du film, dit un texte un peu sirupeux, mais qui fait un peu du bien. Du coup, je pense que c'est un personnage important dans le film.
Dans le Brésil de Couleur 3, on passe du temps avec Marc Decoster, réalisateur de Vasectomia, réalisateur, mais pas que. Bah, j'ai écrit, joué, cadré, enfin, je suis pas le seul à avoir cadré, hein. Monté, mixé, fait la musique, fait l'étalonnage, fait le graphisme. Là, en ce moment, je suis en train de sous-titrer en anglais. C'est pas moi qui traduis, mais c'est moi qui place les sous-titres. Enfin, c'est chiant. Je te jure, c'est chiant. J'aimerais bien avoir du pognon pour déléguer 2-3 bricoles quand même, mais... Bon, c'est quand même marré, il faut dire, vu que là, t'es chez moi, tu vois, il y a un petit balcon là. Et puis, avec mon amoureuse, on a acheté de la vaisselle à l'armée du salut pour enregistrer les bruitages de vaisselle pétée de l'attentat. Donc, on était sur le balcon, en train de lancer des tasses et des assiettes. Puis, sur le moment, tu te dis, ah, putain, c'est chiant, faut encore faire ça. Mais en même temps, tu vis ce moment tellement absurde que tu vivrais pas autrement. Tu vois, t'es en train de péter des tasses, puis tu dis lance-la plutôt comme ça, on n'a pas bien entendu le. Puis tu commences à parler de trucs absurdes, tu vois, puis c'est rigolo. Mais encore une fois, si je pouvais déléguer, ça serait super. C'est vrai que ça fait beaucoup de casquettes sur un seul film, d'autant qu'il joue aussi dedans. Il est Samuel, un miraculé lors d'un attentat qui va, à un moment donné, se retrouver nez à nez avec le terroriste qui a failli lui ôter la vie. En fait, c'est une scène que j'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être même une de mes scènes préférées, tout ce passage. Parce que, déjà parce qu'on est dans quelque chose à la lisière de l'absurde. Et puis, en fait, j'aime bien ce qui se dégage de cette scène. C'est-à-dire que... Bah déjà, en termes d'histoire, j'aimais bien le fait que, quelque part, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une grosse boucherie, qu'on le punit, etc. Et je voulais justement pas donner ça. Du coup, en fait, je dévie le truc par le fait qu'en fait, ce type pourrait être n'importe qui. Et puis que, bah, on sait pas, peut-être que n'importe qui peut faire ça, en fait, s'il est mal accompagné, dans un sale moment de sa vie, je ne sais pas, hein. Voilà, puis je trouvais plus intéressant de parler de ça, en fait, que de faire une scène à la Eastwood où le justicier rend sa justice à coup de magnum. C'est ça. Je m'attendais à autre chose. Bah, clairement, oui. Quelque chose de plus... démoniaque. Oui, voilà. Mais ça, là, un visage humain, bêtement humain. Ouais. Bon... Et il y a un autre personnage auquel on peut volontiers s'identifier, celui de Sarah, la naïve ou l'innocente, plutôt jouée par l'excellente Elo Cinquenta. Je pensais qu'il était important d'avoir un personnage comme ça. Je trouvais qu'elle permettait autrement de s'identifier. C'est-à-dire que c'est un autre type de personnage. Enfin, c'est pas comme Samuel, mais c'est aussi quelqu'un de plus accessible. C'est-à-dire qu'on peut difficilement s'identifier, à mon avis, à Alexandre. Mais oui, je pense que Sarah et Samuel, c'est des portes d'entrée un peu. Sarah exprime la fascination que peut créer un personnage comme Alexandre. Je pense que elle sert à ça, entre autres, à montrer que quelqu'un de très gentil peut se laisser avoir dans quelque chose d'immonde. Dans Vasectomia, malgré la gravité des thématiques soulevées, l'humour n'est jamais très loin. Exemple dans une scène où un leader néo-nazi y va de son couplet nauséabond et alors qu'il a le bras cassé en écharpe, il ne peut pas, à l'issue du discours, y aller de son salut nazi. Enfin, il essaye, mais il est ridicule. Il va détester que je dise ça, mais c'était un heureux hasard, en fait. Il s'était fait opérer de l'épaule. Ben, on a évidemment un peu plaisanté là-dessus, parce que du coup, il ne pouvait pas faire le salut nazi. Et on s'est dit, bon, bah, fais un truc minable, quoi. Parce que de toute façon, c'est une espèce de bande de bras cassés qui me faisait penser un peu. Je sais pas si t'as vu ce film avec Clint Eastwood, Doux Durdingue, où il est avec le singe. Et puis il y a cette bande de motards, les veuves noires, je crois, qui ont des drapeaux nazis, qui sont à chier, qui font des cookies. Et puis, enfin, voilà, l'idée c'était de reprendre un peu ça. Et l'autre grande et belle idée, c'est de confier à Ariane Karcher le rôle de la voisine de palier de Samuel, qui est bien plus qu'une voisine de palier, Madame Domenico. C'est vrai que Madame Domenico, c'est un peu la concierge de l'immeuble de Samuel. C'est un des personnages que j'aime beaucoup dans le film, parce qu'elle elle a un côté chaleureux, un peu perché. Elle est un peu inquiétante aussi. Et puis, plus le film avance, plus elle devient étrange, disons. Plus elle pose question. C'était ça que j'aime bien, c'est que c'est un personnage qui paye pas de mine au début et qui se trouve être un pivot un peu dans l'histoire, en fait. Et j'aime bien ça, oui. J'aime bien ce côté un peu étonnant comme ça.
En fait, la comédienne qui joue ça, donc Ariane Karcher, elle avait entendu parler du film et elle avait beaucoup aimé justement la relation qu'il y avait entre elle, entre son personnage et Samuel. Donc en fait, elle a trouvé ça intéressant et puis quand elle a découvert qui est vraiment son personnage, je me souviens qu'elle a beaucoup ri. Donc, elle a sûrement été flattée aussi, je pense. Sans aucun doute, et là encore, vous comprendrez pourquoi, en visionnant samedi prochain sur NRTV, à 22h30, Vasectomia, un film qui taquine avec Maestria le fantastique. On peut par exemple entrer directement en communication avec Dieu via un vieux bigophone posé sur un bureau au beau milieu d'une place publique déserte la nuit. Vous savez, j'ai toujours eu envie de jouer avec le fantastique ou... Alors après, il y a aussi des questions de budget, hein, bêtement. Mais disons, le fantastique un peu poétique, comme ça, j'appellerais ça comme ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré. Et qui, dans le premier Erwan, par exemple, il y avait des gens morts qui revenaient comme s'ils étaient vivants. Il y a toujours eu des trucs un peu bizarres. Et je pense que c'est là où je suis le plus honnête avec moi-même. Je crois que c'est dans ces scènes-là, en fait. Je me reconnais dans ces choses un peu décalées, comme ce téléphone qui apparaît là, et je crois que c'est peut-être un peu, c'est un peu ma façon de voir le monde aussi, je crois. C'est-à-dire que je pense naïvement que tout est possible, et, ou en tout cas j'ai envie que tout soit possible. Et c'est génial de pouvoir le faire dans un film. C'est-à-dire que si on a besoin d'un téléphone, hop. Non, puis je crois que ça m'intéresse beaucoup plus de décaler la réalité, mais tout comme les personnages. Quitte la réalité aussi, hein, mais de façon un peu maladive, du coup. Je crois que ça m'intéresse de jouer avec cette idée de réalité. Dernière séquence dans ce Brésil sur Vasectomia, film de Marc Decoster, découpé en trois actes, avec à chaque fois une citation d'un artiste au début du chapitre. Oui, alors la première citation qui est de Lou Reed, je la traduis parce que je ne vais pas la dire en anglais, c'est « Les choses semblent toujours finir avant de commencer ». Ouais. Et ça, c'était une façon assez pessimiste de dire qu'en fait, c'est déjà foutu. Du coup, j'aimais bien ça. Et puis, il y a le fait que Lou Reed fait partie constamment de mes inspirations. J'écoute tout le temps du Lou Reed. Enfin, je pense que c'était vraiment un immense poète. Voilà, donc du coup, j'étais très content de placer cette petite phrase qui accompagne très bien le premier acte où en fait, on sent que les rouages sont déjà grippés. Et puis après, le deuxième, c'est Rammstein... Ouais, bienvenue dans les ténèbres, êtes-vous prêt? Bienvenue dans les ténèbres. Bon, là, je crois que c'est assez premier degré. Mais encore une fois, comme je te disais, comme j'avais passé pas mal de temps à me baigner dans du Rammstein pour me défouler, etc., j'étais obligé qu'il y ait un clin d'œil à Rammstein. Et puis Bernard Lavillier, alors, qui est assez étonnant dans l'eau, mais j'aimais bien ça aussi, en fait. C'est parce que c'est une chanson qu'il a écrite sur les attentats, en fait. Et parce que le Captagon, il dit, je sais plus exactement le texte, mais il parle du Captagon qui était la drogue qu'on supposait que ces terroristes avaient pris. Et du coup, comme le dernier acte, voilà, il y a le terroriste qui est de retour, et puis selon moi, on peut aussi se demander qui est terroriste et pas dans le film. Enfin, je trouvais que ça faisait sens d'avoir ce troisième acte avec ce bout de texte. Et à propos de texte, on peut souligner la qualité de certains dialogues savoureux. Exemple, l'orgasme, c'est une affaire de périnée, il n'y a rien de poétique là-dedans. Ou alors encore... L'être humain est un parasite, un éternuement galactique. Et il a germé, comme ça, par accident. Un peu comme une tumeur qu'on devine sous la peau. Moi, perso, ça me fait poiler. Les dialogues, évidemment, c'est essentiel dans un film. Oui, mais il y a des dialogues comme ça où... Où je me fais plaisir, c'est clairement. Pour moi, c'est vraiment une partie capitale, les dialogues. Donc, l'idée, c'est de prendre quelque chose d'immense, comme la création du cosmos, et de ramener ça, de le mettre côte à côte avec quelque chose d'un peu médiocre, comme un éternuement, quoi. et j'adore faire ça. En fait, je crois que c'est toujours une histoire de contraste. C'est comme quelqu'un d'ultra gentil qui devient une brute épaisse. Un père de famille qui commence à faire des braquages. Enfin, je crois que c'est ça qui m'intéresse. C'est quand ça part en couille, en fait. Par comparaison, en fait. Que ça joue pas. Mettre ensemble des pièces où on se dit
Ça va pas, quoi. Mais je crois, ouais, j'aime bien ça, y compris dans le texte. En tout cas, bravo à Marc Decoster pour ce film. Bravo aussi à celles et ceux qui l'ont soutenu via Indiegogo. Sans ce crowdfunding, c'est sûr que Vasectomia n'aurait sans doute jamais vu le jour. Certains donateurs privés ont aussi mis la main au porte-monnaie. Idem pour la ville de Nyon, qui n'a pas facturé certaines choses lors du tournage en ville. Mais ceci dit, le budget reste vraiment ras-le-plancher. Donc, je veux dire, de budget vraiment, de pognon, je pense qu'on est à 20 000 balles. Mais ça, encore une fois, parce que les acteurs sont des gens super qui viennent jouer gratos, et ce n'est pas normal. Mais sinon, le film ne pourrait jamais se faire, surtout avec ce sujet-là, ces scènes-là, enfin, il n'y aurait jamais de pognon, quoi. Mais on l'a fait comme ça. Cette fois, j'ai carrément décidé de ne pas proposer à l'Office fédéral de la culture ou au Cinéforum, parce que... Mais je crois que j'en avais un peu marre, en fait. De toute façon, je me disais, ça va être non... Faut imprimer 7 dossiers, enfin 7 scénarios, ça te coûte du pognon en plus. Et puis, honnêtement, vu le thème du film, je me suis dit, c'est même pas la peine, quoi. Mais j'étais dans un état d'esprit un peu punk, comme ça, je me suis dit, je vais même pas demander qu'ils aillent se faire foutre, enfin voilà. Je vais faire mon film de mon côté, enfin voilà. Est-ce que j'ai eu raison ou pas? Je saurais jamais non plus. Mais disons, le financement en Suisse, le financement du cinéma, voilà, c'est un vaste sujet. Hein. Donc honnêtement, j'y suis allé comme ça. Et je crois qu'en fait, s'il y a un film où il fallait que j'y aille comme ça, c'était celui-là aussi. Donc voilà, je suis très content que ce soit fait comme ça. Et puis je suis très reconnaissant évidemment à toute l'équipe, à toutes les personnes qui sont venues gratos. Quoi. Marc Decoster, réalisateur de Vasectomia, son 4e long métrage. Je vous encourage vivement à le visionner samedi 20 mars à 22h30 sur Nyon Région TV. Vous ne le regretterez pas. Parce que c'est pas tous les jours qu'on se frotte de si près à ce que le dragon a pendu de plus sale et stupide. Vous êtes à vous seul la pointe de l'iceberg. Et je pense que pour ça, on peut vous applaudir. Un iceberg de viscères putrides et de cendres froides. Et je suis content d'être parmi vous ce soir pour vous voir tous crever la gueule ouverte.